Salut les filles, c'est Ritini, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous présente un produit que j'aime beaucoup. Donc, c'est un produit pour peau sèche parce que moi, j'ai la peau très sèche. Quand je me lave le visage avec, j'ai testé plein de savons, en tout cas, que ce soit du savon sans savon, du gel sans savon, du savon noir, des trucs naturels. Alors, chaque fois que je me lave le visage, après, j'ai la peau qui tire. Bon, après, dépendamment des savons que j'utilise, ma peau va plus tirer ou pas. Donc, il y a des moments où tu as vraiment la peau qui plaque, en fait, comme si on m'avait fait, je sais pas, un lifting. Et donc, chaque fois que je finis de me laver le visage, je dois impérativement me mettre une crème. Sinon, après, c'est pas possible. Donc, le truc qui a vraiment fait la différence pour moi, c'est le lait nettoyant. Donc, le lait nettoyant, j'en entendais parler, mais je me disais, mais je ne vais pas me laver le visage avec un lait, ça ne nettoie pas, je ne trouvais pas ça intéressant en tout cas, jusqu'à ce que je me décide à tester. Et donc là, c'est vraiment la révélation pour moi, c'est le truc, enfin c'est ce qu'il me fallait, c'est juste le truc qui te lave le visage, juste ce qu'il faut, et qui te laisse la peau douce, bien hydratée, et en fait, je n'ai pas besoin de mettre de crème. Enfin, bien sûr, j'ai mis une crème, mais c'est pas le truc hyper urgent qu'il me fallait comme avant. Donc, pour toutes celles qui ont la peau très très sèche, je vous recommande vivement d'utiliser un lait nettoyant plutôt qu'un savon ou autre chose. Moi, le lait que j'utilise, c'est le lait nettoyant de chez Yonka. Donc, c'est un lait qui... en tout cas, c'est le seul lait nettoyant que j'ai testé jusqu'à présent. Et comme il me convient, j'ai pas spécialement envie de changer, mais je suppose qu'il en existe d'autres marques qui font aussi des trucs intéressants, donc à vous de tester et de voir ce qui marche pour vous. C'est vraiment comme un lait de toilette, donc quand je vais vous montrer la consistance. Vous voyez, donc c'est vraiment la texture d'un lait de toilette. Et quand vous l'utilisez, vous avez l'impression que ça ne nettoie pas le visage, mais non, ça nettoie très très bien. Et même si vous êtes maquillée, ça vous enlève très très bien votre maquillage, donc c'est vraiment un must-have pour les peaux sèches. En fait, c'est précisé, c'est un lait nettoyant et démaquillant à la fois, donc c'est un 2-en-1 très efficace et qui vous laisse vraiment la peau très très douce. Donc voilà, c'est l'astuce que je voulais partager avec vous, utilisez un lait nettoyant si vous avez la peau très sèche. Et si ça vous intéresserait que je vous filme ma routine entière d'entretien de visage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai le plaisir de vous présenter ma routine complète. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.